Hello et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live sur Hell vs the Mutton. Et merci beaucoup Kenton pour l'abonnement de niveau 1. C'est très très gentil, 28e mois, franchement, je pense que tu dois être de loin le plus fidèle. Qu'est-ce que c'est que Hell vs the Mutants? C'est un jeu qui fait partie de ces jeux qui surfent un peu sur la vibe Vampire Survivor. C'est-à-dire que c'est un bullet hell, mais on va devoir détruire des hordes de mutants. Bon, l'intro était relativement explicite là-dessus, mais on va le faire au volant d'une voiture. Et c'est là que je trouve qu'il réussit très bien à rajouter un petit truc en plus par rapport à un simple clone de Vampire Survivor. C'est que vous allez avoir une dimension de conduite, vous allez pouvoir rouler sur les mutants, esquiver les mutants qui explosent, et parcourir des maps qui sont globalement plus grandes que ce qu'on a d'habitude, puisque vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Et salut Alastre, bienvenue sur le live. Et oui, on est sur un jeu qui coûte seulement 3€, donc franchement, si vous aimez bien le genre, enfin bien aimer le genre bien évidemment, mais si vous aimez bien le genre, c'est très vite rentabilisé, on peut très vite y passer plusieurs heures. Il est extrêmement dur, hein. Contrairement à Vampire Survivor où faut tenir 30 minutes, là faut tenir 10 minutes avant que le boss apparaisse, et perso j'ai jamais réussi. Je suis en gros à 5 minutes maximum. Donc c'est un jeu qui est quand même assez hard. Il se joue à la manette, il se joue même si vous voulez avec votre volant, si vous voulez piloter la voiture au volant. C'est du solo, ça classique, et il est tout en français, avec un français assez qualitatif d'ailleurs. Et merci à l'Astre pour le 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup, j'espère que tu vas apprécier ce live. Vous m'entendez bien d'ailleurs, hein, parce que bon, a priori mon micro dit que vous m'entendez bien, mais comme tu redis coucou à l'Astre, je préfère être sûr que vous m'entendez bien. Donc du coup, le jeu a un petit humour franchement sympathique, hein. On va jouer Earl, donc qui fait partie de l'entreprise Edna Space Control. En gros, on est quasiment son seul employé à Edna. Edna, c'est une vieille peau de 80 ans qui tient son entreprise d'une main de fer et qui est là pour purger des hordes de mutants qui attaquent nos villes et nos campagnes. Donc en gros, comment ça va se passer? On va avoir une map, donc pour le moment on a que la forêt morte, après faut réussir pour débloquer, et à la fin des maps on va avoir un boss. Si on arrive à tenir 10 minutes, il y a un boss qui va arriver, qui va nous attaquer, et qu'il va falloir évidemment éliminer. Donc on a 10 minutes pour tenir et améliorer notre véhicule et nos compétences. On va avoir... Pardon ? Oui, on y va, Chopiti, bien sûr. On va avoir différents modes de difficulté. Alors, le mode casu est hyper dur aussi. Hein. Vous voyez que j'ai réussi à tenir 5 minutes, pareil. J'ai essayé vite fait pour voir un petit peu ce que ça donnait. Un mode atroce, avec un petit peu moins de monde. Hein, et un mode dément qu'il va falloir débloquer. En gros, le mode casu va jouer principalement sur la quantité, les PV, etc. Mais aussi sur les objectifs. On va pouvoir choisir 3 objectifs qu'on va essayer d'accomplir pendant notre run. Parmi une liste relativement diverse et variée. Et si on arrive à les faire, on va gagner un petit bonus de sous. Ça, c'est le bonus de sous et ça va nous permettre d'améliorer notre véhicule pour les runs suivants. Ça, c'est la petite partie roguelite qu'on commence à avoir l'habitude, hein, dans les Survivor Live, dans les Bullet Hell. Et si vous passez en casu, vous voyez que les objectifs sont plus simples. Ici, on a récupéré 4 caisses, ici seulement 3, tenir 60 secondes. Ici, c'est 400 PV, ici, c'est 500 PV. Là, c'est tuer 300 ennemis en les écrasant. Et là, c'est 400. Mais bien sûr, c'est aussi moins gratifiant. Donc nous, ce qu'on va prendre, parce que ça, j'aime pas ça, j'ai envie de prendre... On va prendre le sauter par-dessus la route. On va essayer de sauter par-dessus la route. On va récupérer les 4 caisses. Et on va pas tenir. On va tuer 400 ennemis. Voilà, on va essayer de prendre ces objectifs-là. Je vais boire une dernière gorgée de café parce que j'aurai plus l'occasion après. Donc après, on va choisir notre voiture. Donc a priori, il y en a 4 disponibles. Une plutôt rapide, un bus et un gros camion. Pour le moment, on a notre petite Jeep avec son gros fusil sur le toit. Donc comme dans tout jeu de conduite digne de ce nom, hein, les véhicules vont avoir différentes caractéristiques, mais pour l'instant, on ne les a pas débloqués. Et on va pouvoir acheter des améliorations donc avec les sous qu'on a. Ça, c'est Edna,
notre cher boss. Donc là, avec 100, j'achète rien parce que j'aimerais augmenter ma défense ou mon amplitude de capture. On va pouvoir débloquer aussi des variantes pour les véhicules, des roues avec des pics, des armes différentes pour le départ, etc. Mais pour l'instant, bah, j'ai que le Overlander de base, de type de base. Et on est parti. Ne l'écoute pas, Hill. Ce sac d'eau stupide ne boit pas assez de lait. C'est parti. Donc nous voilà en jeu. Alors, on va pouvoir conduire notre petite voiture. Et on a la possibilité soit de laisser l'arme se faire gérer par une IA. Donc là, elle tire toute seule. Soit de la gérer nous-mêmes. Alors par exemple, la souris en tirant. Alors pour le début, je conseille clairement de la laisser gérer par l'IA. Hein. Déjà, se concentrer sur la conduite... c'est largement assez. Et il faut faire attention parce que même si on conduit et qu'on peut écraser les ennemis, on peut très vite se retrouver immobilisé parce qu'on a fait un drift incorrect. Et donc régulièrement, je baisse un peu mon son parce que j'ai l'impression que je crie à cause des tirs des armes. Régulièrement, on va avoir des niveaux qu'on va gagner. On va pouvoir choisir entre 3 compétences et qui vont nous permettre de construire un build. Donc, sur ce véhicule-là, je ne sais pas trop sur les suivants, mais sur ce véhicule-là, on n'a qu'une seule arme qu'on va pouvoir éventuellement améliorer. On ne pourra pas avoir plusieurs armes. Par contre, on va pouvoir éventuellement choper des drones régulièrement que Edna va nous larguer quelque part sur la map et qu'il faudra qu'on récupère. Donc les drones nous aideront un petit peu. Mais en gros, on va devoir construire notre build soit sur la conduite, soit sur les dégâts, soit sur les armes, etc. Alors le turbo incendiaire est assez sympa. On va cracher des flammes et foutre le faux ennemi. Et sinon, on peut partir plutôt sur des balles. Taille des balles 100% et dégâts 25%. On va partir sur des balles. Voilà, on a des grosses balles maintenant. Turbo! On a notre turbo invincible. Alors, de la vitesse, de la défense, de la défense. Voilà, on a le turbo infini grâce à notre bonus. Au début, on a droit aux petites miss avec leur batte de baseball, là. Du coup, non, ça non. On va prendre les chances d'esquive. On va jouer flingue et esquive. Elle est où, la pièce? Une amplitude de capture. Allez, vendue pour une amplitude de capture. Alors, Chobiti nous dit qu'il y a une pièce en bas. Ça y est. Ok, on nous a lâché un petit drone, on va le chercher. Là, notre flingue, il est déjà trop léger pour blesser les ennemis, quoi. Ah putain, il nous a lâché une arme en plus, on va récupérer ça vite fait. Alors, un drone, qu'est-ce qu'on nous propose? Du soin, fusil de précision, fusil de chasse. On va prendre les fusils de précision, tiens, je les ai jamais pris. Alors on va aller chercher l'arme, elle nous l'a déposée très vite, en général c'est plus long que ça. Et si on n'arrive pas à l'atteindre à temps, c'est mort, hein. Elle disparaît et puis t'es niqué. Ouais, on va prendre des grosses balles perforantes, c'est très bien ça. Allez, poussez-vous du chemin là. Ok, c'est là, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Un fusil à pompe, ok. Un genre de fusil à pompe, excellent. On va essayer de faire notre objectif qui consiste à sauter vers dessus la route. Je pense que si on prend assez d'élan là... Alors ça c'est celle qui me finisse tout le temps. Les trucs explosifs. Plus de cadence de tir, ouais. C'est très bien ça. Faut qu'on essaye de les tuer de loin elles, parce que sinon elles font des dégâts de zone. Alors est-ce qu'on a assez de vitesse pour sauter par dessus la route? Pas vraiment. On prenne de l'élan. Allez, roule. Non, c'est trop court. Faut qu'on trouve un meilleur endroit pour sauter par-dessus la route. On va rouler un peu. Alors, nos drones sont complètement à la rue, semble-t-il.
Encore un peu plus d'esquive, tiens. Sinon, explosifs. Je laisse quoi derrière moi? Ah, l'XP, oui. Oui, bah on va. C'est pas grave, ça. On va faire un petit tour. On va faire un petit drift. Hop là, et on est reparti. Ah, on va nous lâcher un drone. Alors là, on est un peu lent, hein. On a pris pas mal d'améliorations qui réduisent notre vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des drones à fusil de chasse, ou un drone de soin. Non, un drone à fusil de chasse, c'est très bien. Ils sont là, les autres. Je me disais, ils sont où nos autres drones, parce que... Où ils sont, hein, ici. Au milieu des trucs verts. Alors, la vitesse, la défense, la cadence de tir, encore plus de cadence de tir sur un fusil de chasse, ça me paraît très bien. Écrasez-les! J'ai laissé un. Voyez-vous ça? Ah oui, qu'est-ce que c'est donc que ça? Rafale! Ah oui, on va tirer bien vite. Ah, il y a un aimant là, j'ai vu. On va prendre de la défense. Plus de pièces. Plus de pièces. Allez. Alors, notre voiture va être de plus en plus défoncée au fur et à mesure qu'on perd de la vie. Hein. On a perdu le capot déjà. Il y a des saloperies sur la route. Esquivez-les. On a une bonne esquive là. Mais ouais, notre vie baisse un peu, ça, c'est la vie. Oula, attention. Est-ce qu'on a un moyen là de faire des sauts là? Attends, on a aucun pseudo tremplin pour sauter par-dessus la route, c'est bien dommage. J'aimerais bien prendre le soin là, s'il vous plaît. J'en ai un autre, ouais, mais ils sont un peu nombreux, puis ils sont un peu explosifs. On commence à voir les ennemis avec des snipers, là. Non, laisse-toi, toi. Foutu tonneau. Le drone, il est par là. Ça, c'est des mines, non? C'est quoi? Je ne sais pas. Ah oui, c'est un gros piège. Alors, on peut améliorer le module Wahlberg sur nos drones à fusil de précision. Ou alors... plus de dégâts pour le fusil de chasse ou les drones assis. Les drones assis autour, c'est assez sympa, mais je pense qu'on va essayer ça. Préparez-vous, on le mime. Plus de PV, plus de défense, encore plus de un petit peu plus de bonus de balles explosives. Tu vois. Ça pourrait faire plaisir quelques balles explosives avec ce build là. Les rouges là, hop là. Il y a un truc par terre, mais c'est pas. Enfin, il ne reste plus beaucoup de vie. Hein. Ah, le broyeur. Parfait, un bon vieux broyeur des familles. Et non, c'est le décès. On a tenu 6 minutes. C'est pas si mal. C'est hyper tendu. Si on n'a pas de soins, c'est compliqué. Ok. On a 360 balles. On va prendre plus de vie. Mais je pense qu'on va prendre un peu de critique. Et on est reparti. On va y arriver. Je veux réussir dans ce live à faire au moins la première zone. C'est mon objectif. Ah, je suis proche. Alors l'IA a tendance à viser en premier les tonneaux explosifs. 150% d'amplitude de capture. Bah ouais, go. Carrément.
Alors on reprend du dégât des projectiles. Allez, pourquoi pas. On va retenter mon projectile. Alors pour l'instant, le jeu manque un petit peu de statistiques. Alors, c'est assez compliqué, par exemple, de savoir si les bonus qu'on prend pour nos projectiles fonctionnent pour les drones, par exemple. Ou même d'avoir à la fin un résumé global de ce qu'on a pu prendre comme bonus. Un broyeur. Et un turbo. Venez vous faire manger. Dégâts des projectiles, ouais. Alors, bah on va prendre des petits drones de science. Allez Edna, lâche notre nouvelle arme. Plutôt on est parti sur les balles plutôt. Alors, il y a tout un tas d'armes différentes hein, qu'on peut avoir, même si on en a qu'une. C'est bon. Avec une belle fréquence de tir avec nos améliorations. Hein. Même si les balles sont un petit peu lentes. Gain de turbo lors des gains d'XP. Ouais, chance d'esquive. On va plutôt prendre. Là, on va prendre pareil. On est reparti sur les armes là. Allez, un petit warrior des familles. Sniper, ben oui, carrément. C'est à le prix de petits machins verts là. Force du turbo. On va plutôt prendre ça. Dommage, c'est que du commun, mais bon. Allez, on est un peu enfoiré. Évasion spéciale pour Hurl. Go! Alors l'astuce consiste à utiliser le turbo juste un petit peu, donc jamais à zéro. Gâchette sensible, un pied au plancher. Attends, on peut pas avoir des trucs un peu mieux. Tiens, de la défense. Allez, vendu pour de la défense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des drones laser? Ah, des drones assis. Les bons vieux drones assis. Excellent. Cela, il s'éloigne pas, il reste autour d'eux. Qu'est-ce là? Bon, faut qu'on toujours qu'on arrive à sauter par-dessus cette foutue route. Des balles fissiles, tiens. Oh ben, je ne sais pas ce que c'est. Soignez-moi, bande de drones. Bah, ils font ce qu'ils peuvent, on va dire, mais. Oh là 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 là. Ces explosions par tour là. Attaque. On va prendre un petit boost global pour s'en tirer mieux.
nous cerne. Là, il y a une sortie. Ouais, notre soin. On va essayer d'éviter les coups et de se baser sur nos drones de soins pour se soigner un peu là. Du sport à l'arrêt, gain de PV au fil du temps. Allez, vendu. Or, faut-il pouvoir s'arrêter? Une arme. Est-ce qu'on va en avoir une deuxième? Viens, je t'écrase. Oh putain, le champ explosif quoi. Ok, ça le remplace. Allez, roule, roule. Chance d'esquive, dégâts de collision, chance d'esquive. Alors, on va se prendre un drone de soin de plus. Visiblement, on a l'air de galérer. C'est pas vraiment les DPS notre problème. Oh putain. Une horde d'explosifs. Venez vous là. Vos malins. Voilà. Je vous roule dessus moi. Ça vous apprendrait s'il me snipe. Comme de sagouin. C'est qui ces petites demoiselles qui nous font dessus? Alors la zone verte, c'est une zone irradiée. Oh, c'est bien ça. Si on s'enfonce trop dedans, on finit par prendre des dégâts. Ça se passe bien pour le moment là. On a plutôt un bon build. On arrive à désintégrer les gros tas. Qu'on arrive à ramasser une quatrième caisse, ce serait parfait pour voir notre objectif. Aïe. Multiplicateur de pièces x2. On a quoi sinon à défense? Allez. Multiplicateur de pièces. Ouh là, il y a des gros blobs maintenant. Quelque chose me dit qu'ils vont pas faire plaisir eux. On peut leur rouler dessus. Ah, ils ont un œil. Horrible. Ils ont un petit œil. Bon, 4 drones de son, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un bon sustain. Comme dirait les Mixebus. Ouais, la précision mortelle. Ouais, il y a un truc. Ça peut peut-être nous permettre de sauter par-dessus la route. Oula, 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 on se calme. Allez, vas-y, fonce. Et bim! Comment on laisse maîtriser la route? Dégâts des drones assis et vitesse des drones assis. Mais ouais, carrément. Allez, venez, je vous écrase, moi. Trop bien, on va lui faire un bisou. Je crois que ça va être une bonne idée. Ça se passe franchement bien là. Hein. Il ne reste plus à tenir qu'une minute. Je sais pas du tout ce que va donner le boss. Quelque chose me dit qu'il va être assez méchant. Mine de rien, on a écrasé que 250 ennemis. Hein. C'est pas tant. On va reprendre encore un peu plus d'apparition de pièces. Ouch. Allez, faites des blocs d'ennemis là. On vous écrase. Et après, c'est vrai qu'il faut les tuer en les écrasant. Il faut que je leur fasse suffisamment de dégâts pour les tuer. Bon, là, j'en ai écrasé un paquet, mais il y en a aucun qui est mort. Ouais, il faudrait plus de dégâts de collision. C'est pas très grave, on fait de la thune. Oula, par contre, ça c'était mauvais ça. Ah
Alors, turbo, turbo récupéré, des balles perforantes, allez, des balles perforantes. Balles perforantes avec le fusil à pompe, c'est pas mal. Level 21, un peu de défense, ça me paraît pas mal. Ouais, bientôt le boss. On va voir à quoi il ressemble ce boss. On est quasi full life. Ah cool, un petit boost là. C'est le bon moment, juste avant le boss. Allez, on chope. Alors, potion. Effet soigné et durer entre les soins. Ouais, go. Le sang-froid, mais bientôt il ridera les cailloux. Ok, donc il est dans une voiture. Là, on peut lui tourner autour avec nos drones assis. Hein. Oula, je ne sais pas c'est quoi ce gros truc rouge, mais. Chose me dit qu'on n'aime pas que ça soit dans notre zone. Tiens, allez, non. Une petite chance d'esquive, tiens. Oh, GGR. C'est le déchet. On a débloqué le mode atroce. On a débloqué la Muscle Car Grise. Ouais, on a la Muscle Car Grise à mitrailleuse. Et du coup, 2000 balles. Ah oui, c'est propre. À réclamer la récompense. La muscle car, la muscle car. Et du coup, on débloque le désert. Ok, parfait. Une mauvaise nouvelle, on n'est pas là pour rejoindre ton troupeau de moutons. On est là pour démanteler ton réseau de mensonges. Donc du coup, là, on a débloqué le mode atroce. Non, le mode dément. On a réussi en mode atroce, ok. Du coup, on a débloqué le mode dément. Excellent. Alors, on va essayer du coup le désert pour voir. Je vais utiliser mes améliorations. Tuer 750 ennemis. Attendre le boss sans utiliser de drone. Tuer 100 ennemis avec des tonneaux. 150 ennemis avec l'étoile du matin avec des drones laser. 200 ennemis pendant un turbo. Ça, je pense que c'est pas mal ça. Atteindre le boss sans utiliser de drone, ça me paraît tendu quand même. Hein. 90 secondes sans encaisser de dégâts. 200 km/h. Ok. Sauter à 75 mètres de haut, je sais pas du tout comment est le terrain, on va tenter ça. Avec un turbo ça se fait franchement. Donc on a notre Overlander et on a maintenant la Muscle Car. Ah et là du coup on a des améliorations. Donc pour le moment on a la petite mitrailleuse. On peut avoir le minigun. Ça c'était le fusil à pompe ou le lance-roquette. Est-ce que les améliorations... Ah ouais, c'est des améliorations par véhicule, donc on repart à zéro, quoi. Waouh, ça pique. Du coup, on va faire au moins un essai avec elle sans l'améliorer pour voir ce que ça vaut. Ah ouais, elle a des petits tirs devant. Elle a des phares qui tirent. Et quand on... Et elle crame déjà de base les ennemis avec le nitro. Ah ouais. Et bon, on va carrément la l'ignorer, elle a l'air rigolote. Par contre, le terrain du désert a l'air assez instable. Hein. Alors, il y a une petite dynamique à la Running with Rifle qui est vraiment sympa. Très honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, de la défense, c'est pas beau. Allons-y pour de la défense. Alors, des fois, quand vous faites suffisamment de dégâts, ils s'enfuient les ennemis. Gain de turbo lors des gains d'XP. Allez, on va jouer turbo avec cette voiture, ça me paraît un must-have. Enfin, cela dit, avec son tir additionnel, ils peuvent faire quelque chose aussi. Bah oui, du coup, tu fais les ennemis en les brûlant, est certainement beaucoup plus rentable avec cette voiture.
Ah, il y a des... Il y a des cow-boys qui apparaissent. Allez. Petit niveau. Bah ouais, force du turbo. Allez, des drones à fusil à rafale. On va atterrir dans la zone irradiée, mais c'est bon, on évacue. Faire gaffe quand on foire les virages et qu'on s'arrête. Hein. Ça peut être risqué. Ah, j'essaie de l'atteindre le son. Avec le turbo amélioré, on perd un petit peu en qualité de conduite. Surtout que la plupart du temps, mon roues ne touche pas le sol dans cette map. Putain. Tiens, des petits PV max, excellent. C'est exactement ce qu'il nous fallait. J'ai l'impression qu'ils sont explosifs ces petites merdes là. Du coup, sauter à 75 mètres, ça fait sens hein, dans la map. Et est-ce qu'il y a une route quelque part? La zone irradiée. Des balles brûlantes, non. Des dégâts de collision, ouais. Carrément. On arrive à pousser jusqu'à 200 km/h aussi pour réussir notre objectif. La rafale. Ah, ça marche aussi pour notre truc à l'avant, la rafale. Ça, c'était excellent. Par contre, faut avouer que dans le sable, la galère là, d'ailleurs. C'est pas vraiment fait pour. Hein. Ça a l'air compliqué sans les drones de soins. Ouais, sans les drones de soins, c'est un peu tendu. Peut-être un problème d'équilibrage pour le moment. Après, c'est pareil, hein, une fois qu'on a des voitures améliorées avec 2000 PV de plus ou ce genre de choses, ça peut aider. Hein. Caillou, il bouge. Et lance de tir, non. Ouais, on va prendre la défense, même si ça réduit un peu notre vitesse. Oui, après, il y a des améliorations pour du vampirisme, pour améliorer nos PV, améliorer notre esquive. Ça dépend comment tu fais ton build, ce sur quoi tu tombes. C'est bien chaud là. Alors, on va relancer des drones à 6 tirs. Oui. C'est sûr que les drones de son auraient été cool, mais. Oula, pourquoi tu t'arrêtes? Roule! Roule, voiture, roule! On a du son à aller chercher. Alors, PV max, amplitude de capture, PV max, où est le son? J'arrive pas à le choper. Allez, il va disparaître. Ah putain, quel enfer. C'est bon, là. Alors, on a réussi à tuer 200 ennemis pendant un turbo, ça c'est parfait. Le champ de trucs explosifs, ouais, on peut pas tourner en l'air. Hein. Je suis sûr qu'il y a des améliorations pour pouvoir tourner en l'air. D'aigle. PV max, il meurt une fois, retour à la vie. Bah ouais, carrément. Je prends. Encore du son là-bas. Plein d'XP à prendre en plus. Alors, appuie sur RMB pour sauter. Right mouse button. Ah ouais, je peux sauter, excellent. Par contre, ouais. Faut faire attention. Ouais. Boing. Et du coup, on peut faire des grands. Oh, saut. Allez, une petite défense anti-explosion, c'est parfait. On va prendre la force de turbo. J'adore cette bagnole, je pense que je vais carrément l'améliorer. Elle est excellente. Hé, le truc de saut. Qu'est-ce que t'es, toi? Casse-toi. Brûle, saloperie.
Oh putain, le champ explosif. On va plus vite que nos balles. Ah, ils sont beaux, ouais. Il y en a un bleu. Fusil à rafale, 50% de dégâts et durée entre attaques moins 50. Ouais, je prends, ouais. Ça sert à quelque chose d'aller dans la zone irradiée. Bah, de ce que j'ai vu pour le moment, à part te compliquer la vie, pas grand chose, mais j'imagine que tu dois avoir, ouais, des trucs plus intéressants, peut-être du loot plus intéressant ou... Putain, je peux pas sauter par-dessus. Ah, la queue d'aigle est rentrée en jeu. Donc on a cramé notre ressuscitation. C'est tendu, hein. Faut avouer qu'il manque un peu de maniabilité aussi. Faut pas se mentir. Et là on roule plus très vite. Soin là. On peut aller dans la radiation, hein, voir, hein, mais on perd pas de vie plus que ça. Ouais, si, on perd de la vie. Après, si on saute, on crame notre turbo. Ça, c'est problématique. 38 PV. Sans la fin. On a quand même réussi à tuer 750 ennemis juste avant de mourir. Bon, elle est très bien cette voiture. On va booster un peu ses PV par contre parce qu'elle est un peu molle. Voilà. Hop. Sa défense aussi. La défense anti-explosion. Non, plutôt le capture bof, c'est pas un bonus que je trouve très intéressant. Ouais, vu qu'elle est pas très maniable, allez, vendu, j'en prends pour Chobiti. Tu es trop pauvre, mon chou. Mais ouais, on réessaye. Carrément. Ah oui, non, tiens, ça me remet pas d'autre, du coup. Et bien, c'est comme ça. Du coup, il fait nuit. Et d'ailleurs, elle m'a pas livré d'autres armes. J'ai pas eu de livraison d'armes pendant son run. Peut-être que sur cette voiture-là, il faut vraiment débloquer les voitures spéciales avec des armes différentes. C'est peut-être sa capacité. Pour lancer... Ah, dommage, on a rien eu. On va prendre l'outil de capture. Est-ce que je peux changer d'arme pendant un run? Bah, quand j'en ai d'autres, j'ai pas trouvé de touche pour le faire, mais peut-être qu'on peut le faire. Une fois qu'on en a capturé plusieurs, comme le run précédent, là on en avait eu plusieurs. On peut pas avoir des trucs bien là? Non? Putain. Alors Edna, si t'es running comme ça, ma chère. De soins, du coup, ça aide bien quand même. Épique, appuie sur turbo pour faire voiture bélier. Ok, il y a un truc de saut. Je sais pas si on va réussir à le choper, mais. Et c'est le turbo. Oh.
munitions, non. Dégâts de collision, ouais. Go! Écrasez-moi ces cons! Yes! Boum! C'est le sproch! Dégâts de turbo-bélier 50. Ah là on a du vampirisme. Mais je sais pas si le vampirisme ça marche quand on écrase les ennemis. On a nos drones de soins qui font le taf pour le moment. Alors et la tronche qu'il a varie aussi selon les dégâts qu'on prend. Bah les dégâts de collision, allons-y. On essaiera cette map avec l'autre voiture. Je suis curieux de voir si c'est qu'elle nous livre pas d'armes ou si c'est cette voiture-là qui n'a pas d'armes. Sur laquelle on peut pas changer l'arme. Les balles géantes, non, 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 relance. Ça c'est bien ça. Ah, je l'ai raté. Plus de PV. Ouais, allons-y pour plus de PV. Ils sont que 2. Ce serait bien un moment d'avoir un peu de DPS. Je vois qu'on commence à galérer et même à les écraser. Hein. Ouf. Des petites grenades, ça m'a l'air très bien ça. J'aime cette amélioration. Le PV commence à baisser, hein. On va reprendre un pied au plancher. Il y a quelques pièces là. Hop là. Saloperies qui font des dégâts explosifs là. Gain de turbo lors des gains d'XP. Ouais, ça me paraît bien ça. Faut que notre turbo soit toujours plein, ce serait idéal. Ah, mais si je touche pas le sol, je peux quand même où je tourne. Scandaleux. Prendre la défense, globalement. Vraiment pas le truc explosif, pardon. Ce qui est bien, c'est qu'eux, ils sont bien volatiles. Donc dès qu'on leur met des flammes, ils explosent. Mais moi aussi. Alors du coup, on va essayer l'autre voiture. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif? Atteindre le boss sans utiliser de drone, ça c'est mort. Tac, tac, tac. Incendier sans ennemi, on va le mettre de côté. Et on va prendre le truc avec les tonneaux. On va reprendre le 200 km/h. Et du coup, on va essayer avec toi. J'aime bien cette petite voiture là. On a 200 balles. On va améliorer son amplitude. Et on va voir. Alors, on va jeter un œil aux paramètres. Ta, ta, ta. Activer, désactiver, frein à main, viser. Peut-être avec la molette. Mais j'y crois pas trop. Pour changer d'arme, je cherchais. Alors, faut essayer de tenir assez longtemps pour qu'elle nous propose une arme. Venez vous faire écraser, bande de cons. À moins de DPS avec cette voiture là, hein. Pas à chier. Dégâts de collision, c'est parti.
repeindre ce désert avec votre sang. Proch. Proch. Et Sproch. Pour cent de pièces d'or, mais allez go. Bon. Alors, le problème avec ce modèle de voiture, c'est qu'on va beaucoup moins défoncer les trucs explosifs. On prend les drones assis. Autant avec l'autre, il suffisait de leur mettre un petit coup de turbo et on les butait tous, autant là. Ils vont pouvoir s'approcher. Du coup, on va prendre la défense contre les explosions. Un petit turbo, pourquoi pas. Aïe, aïe. Vous là, lâchez-moi un soin. Merci. Il faut mourir. Ah, mais il y a plein de pièces dans les tonneaux. Un bon petit turbo, il n'y a que ça de vrai. Je suis bien d'accord, Edna. Mais si tu peux me lâcher une arme, c'est quand même cool. J'apprécierais vachement. Ah, parfait. Ouais, donc ça doit être la voiture qui a pas d'arme. La muscle car. On va prendre l'amplitude de capture. Un petit lance-roquette, pourquoi pas. Pas forcément ce que j'aurais préféré, mais... Mettons un petit broyeur, ça c'est bien ça. Venez, 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 les petits, venez. Venez, 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 venez. Parez-vous au truc explosif. Attaque titanesque. Ah, c'est tentant. Allez. On prend. Et des drones de soins pour nous aider. C'est parti. Roule. Ah, avec ça, on peut peut-être réussir à se faire le 200 km/h. C'est impossible. Il y a beaucoup trop de boss, quoi. Les chances d'esquive. Voilà, ça explose. Pas cool. Alors du coup, j'essaye la molette, hein, là, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse changer d'arme. Je peux pas revenir à mon ancienne arme. Alors peut-être si j'enlève l'IA. Nénénénéné. Gain de PV en roulant sur les ennemis. Oui. Eh oui, eh oui, bien sûr. Alors le problème c'est que si on roule sur ces saloperies, ça nous enlève des PV. Il faudra des ennemis bien. Turbo Max, force du turbo. Bah allez, bon. Beaucoup d'explosifs. Fou du volant, ouais, le fou du volant, il me paraît bien. Mais j'arrive même pas à en sortir les radiations. Ah, il y a beaucoup trop d'explosifs.
s'éloigne. Bordel, vite. Ah là 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 là, quel drame! Pauvre bagnole qui arrive même plus à avancer, quoi. Oh la vache! On va se rajouter des drones de soins, allez. Ouais, ils sont de plus en plus gros. Hein. Barrez-vous! Ah, les PV qui sont tendus là. Allez, on va essayer d'écraser quelques personnes si on peut. Je ne vais absolument pas soigner. Dommage. 4:30. Putain, c'est tendu hein. Si tendu, c'est tendu. On va essayer de reprendre la bagnole avec les bonus de flamme là. Ah oui, mais du coup, il faut qu'on termine l'épisode là. Et ouais, c'est nul à l'astre, nul! Allez, on va refaire. Mais lors du prochain épisode, j'espère que ce premier aperçu du jeu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se dit à très vite pour la suite. Chou chou tout le monde!